Cache-toi dans le sang, oui, cache-toi dans le sang, Salut à tous, c'est Go, j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. Donc on se retrouve sur Outlast 2, bien entendu, pour la suite du Let's Play, et je sens qu'on va souffrir pour arriver à cette mine. Regardez, là je vois un truc que j'avais pas fait attention à ça, il y a une espèce de chemin, c'était quoi, des rails qui passaient, ouais, il y a un chemin de fer. Je suppose qu'on va le voir plus près, j'ai pas du tout envie d'aller dans cette brume, bordel. Je suis désolé si j'ai pas encore répondu à tous les commentaires sur les vidéos de ce Let's Play. J'aime bien faire ça normalement, mais là je dois vous avouer que j'étais un peu pris par le temps. Je le ferai. J'ai entendu un truc là, au loin, une voix. Enfin bon, j'espère que vous aimez bien. J'ai l'impression que vous appréciez les commentaires que je reçois. Le jeu est plutôt sympa hein, pour l'instant. Je vois pas vraiment ça... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui est en train de mourir à petit feu là, je crois. J'espère que je vais le croiser. Sauvegarde. Ah bah voilà. Comme quoi. Faut toujours s'écarter du chemin prévu. Il y a un mec qui s'est fait écraser là. Une belle fin, comme on dit. Hop là. Mon cher Siméon. Oula. Tu as été mon cousin depuis qu'on était tout petit. Tout petit. J'espère que tu m'aideras. J'ai des problèmes en particulier avec ma santé. Ah bah un petit peu, ouais. Je peux juste dire que j'ai... Quoi, que je brûle de signes de syphilis et j'ai peur qu'il m'envoie vivre avec les galeux dont j'ai si peur. Oh là là. Je sais que baiser n'est pas sûr maintenant avec d'autres que papa note, mais Dieu et Jésus le protègent des maladies du monde, mais Dieu et Jésus ne me protègent pas, j'ai besoin de ton aide. Dieu te bénisse et te garde, Atalia. Putain, ça devient difficile à lire en fait à ce point-là, quand on arrive à ce niveau-là. Ça va, je vais... Oh merde. Ok, c'est pas trop loin. Si mal. Oui, bah tiens, j'ai entendu des mecs gémir en bas, je vais pas tomber peut-être. J'y crois 0% là. Je croyais que c'était fait exprès au moins, mais même pas, j'ai l'impression que c'était juste moi qui suis tombé comme un naze. Donc c'est bien, si je sprint dessus. Merde. Ah bah voilà, okay, on a gagné du temps un peu. C'est pas si mal. Voilà, c'est pas si mal. Bon, on sait qu'on va pas descendre comme ça en tout cas. Moi j'y crois pas une seule seconde là. Là, le mec est fou de passer comme ça. Ah. Par contre, ça va pas le faire. En plus, ils font la taille de ma main, quoi. Ils sont géants, les trucs. Ça va être horrible. Hein. Allez. En fait, c'est tellement orienté par la caméra que... Non, non, s'il te plaît. Oh non, mais c'était sûr, ça. Accroche-toi. T'es quand même un sacré tricheur, parce que ça, je viens de le faire. Et moi je suis mort. C'est quoi ce truc bleu là? Je l'ai vu d'au-dessus. T'as vu des sauterelles? Oui ou non? Ah merde, tu... La tête en bas. C'était une ombre dans le ciel. Faut que je fasse quelque chose. Ils sont à notre gauche. Oh là. Je suis désolé, monseigneur. Je suis désolé. Oh. J'ai un petit freeze. Au moment où il a pris la flèche, c'était plutôt magnifique. Allez, personne va voir. C'est la caméra qui est bleue comme ça, non? Bon, bah, je l'ai pas vu en tombant, alors je dis n'importe quoi. Désolé. Sa souffrance complète. Les paroles de Rod sont vraies. Et. Nous vivons une époque déterminante. Ça va être horrible, mais non! Bon. Ah, je me disais bien que je pouvais rien faire pour l'instant. Je me serais senti un peu con si. S'il m'avait laissé son tuto pour me détacher et qu'en fait c'était à moi de trouver. Hello. Ici c'est la caméra. Grattier. Ah non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'était pas assez flippant sinon. Que je vais faire le tour. Il marchait d'une manière horrible. Alors par où par contre? Je vais faire le tour par où là? C'était par là non? Ouais mais je vais faire le tour vers là où le mec est parti bien sûr. C'est vraiment un fake là hein, ce qui est en train de m'arriver. Personne vers là pour l'instant. Pour ramper, appuyez sur C, n'importe quoi, moi je rampe pas moi. C'est pas moi que vous allez voir ramper les gars, excusez-moi de vous le dire. Ah mais c'était lui qui gémissait quand on était en haut là. Ah bah hello, il y aura pas d'ennemis ici je suppose. Cette larve a pris ses bénédictions pour une maladie et a essayé de partir et je l'ai... Brisez, ne répétez pas ses erreurs et ne commettez pas ses péchés, Dieu et son prophète vous aiment.
pas, je prendrai pas mes bénédictions pour des je sais pas quoi. On va monter là déjà. Ah, on va arriver dans une petite zone, je sens, où on va se faire plaisir là. C'est quoi ce bruit quoi? Toujours pire l'ambiance hein, dans ce jeu. Mets-toi juste sur cette pierre avant, voilà, qu'on réfléchisse. Oh, mais j'ai des frises de fou et je sais pas pourquoi. Je crois qu'il doit charger la zone. Je peux vous le dire par contre, s'il y a un truc Outlast 2 n'est pas comme le premier, c'est léger. Parce que le premier, sur le PC, il tournait nickel, même à l'époque. Hein. Mais alors celui-là, c'est une espèce d'usine. Je mets le ventilo sur mon PC, faut pas déconner, il va cramer là avec ce jeu. Bon, alors déjà, il y a du bruit en face là. Non, peut-être la rivière juste. Ouais. Je suis un naze, c'est la rivière. Là, il va falloir que je rentre. Ouais. Je m'y attendais un peu, ça. Oh là là, mais arrêtez. Je peux pas juste faire du free. Ah. Attendez, parce que là, on a peut-être quelque chose. On a peut-être moyen de casser le système. Non. Dommage. Oh, bah tiens, bah oui, toujours pire les passages, c'est. Ah. Quelqu'un au-dessus concrètement ou comment ça se passe là? C'est horrible parce que là c'est une ligne droite. Mais bon, ouais je dis c'est horrible mais en un sens. Ah bah voilà, petit bandage. Ouais, bon je m'en fous du bandage concrètement. Le mec est venu mourir ici avec un bandage quand même. Il a volé le bandage, il s'est fait traquer pour ça. Oui non j'aime. Je préfère que ce soit une ligne droite en fait. Parce que quand c'est une zone ouverte, tu sais que c'est là que tu vas devoir courir et prendre des décisions qui vont impacter ta survie. Putain, mais le mec voit flou, c'est pas possible ça. Il y a une différence entre la brume et voir flou à 30 mètres quand même, non? Oh merde! Mais il doit bien y avoir un autre chemin. Marque quoi? Sickness here, maladie ici. Ah, ils sont en train de faire un feu pour brûler les corps en bas, peut-être, je sais pas. Dieu bénisse. Steam a fini de télécharger, prêt. Merci Steam. Tu peux me péter mon immersion, vas-y, fais-toi plaisir. On descend toujours plus bas. C'est bizarre, je m'y attendais pas. Hop. Hello. Je suis pas serein, mais pour l'instant ça va. Comme c'est le début de la session, vous savez. Bienvenue dans ce lieu de guérison spirituelle. Vous avez peur et vous êtes malade, comme vous devriez l'être. Et vous êtes rempli de honte, oui, comme vous devriez l'être. Vous avez raison de l'être. Ah. Vous savez que vous ne seriez pas ici en l'absence de vos propres péchés, mais je peux à nouveau vous rendre merveilleux et pur, j'entends l'autre en fond, c'est horrible. Lorsque cette maladie s'est répandue pour se recouvrir, pour recouvrir Temple Gate de sa croûte, Papa Note, dans sa sagesse et sa bonté, l'a reconnue comme l'affliction spirituelle qu'elle était. Ne croyez pas ceux du monde extérieur, les malhonnêtes et les effrayés qui vous disent que vous êtes atteint de syphilis ou de gonorrhée, ou tout autre mensonge. C'est une maladie de l'âme, et seule la purge de votre âme vous permettra de retrouver votre santé. Restez vrai. Restez obéissant envers Dieu, envers Papa Note et en particulier envers Laird, son diacre. Ah, Dieu, son prophète, vous aime. Et son prophète? Sinon ça veut rien dire, Dieu son prophète. Enfin bon, moi je, vous savez, j'aime bien faire des petits débats des fois, comme vous avez pu le voir dans ce let's play. On se fait à manger. Alors je l'entendais à droite. Hein. Ah, il va me tomber derrière, non? S'il vous plaît, quoi, non. Ah mais d'accord. En fait il y a bel et bien un mec juste là. Bon si je passe comme ça. Ah. Tu es friendly? Ouais non clairement c'est pas une maladie physique que t'as toi. Non, non, c'est pas physique du tout, et puis tu te fais pas bouffer par les espèces de trucs qui traînent partout. C'est horrible, bordel. Christ Galé, notre Christ, je t'en supplie, Dieu, je t'en supplie. Il y a une pile. Tout pour les piles. J'en ai déjà 1000, hein, mais bon. Hop là, pas d'un demi-mesure. Je vais me prendre un jumpscare. Il y a un passage ici. Nanana. Hop là. Prendre ça, merci. Allez hop, on est parti. On est ressorti plutôt. Ah non, on n'est pas ressorti. Mais là, ils m'ont bien eu là. Parce que moi, je pensais que je pouvais. Je ne peux absolument pas. Mais ils s'éventrent entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est du maïs. Oh là là. Je peux refermer cette porte et la verrouiller.
que tu fais assez flipper, toi. Quoi, ce putain de bruit, c'est un méchant ou... Ah, bah là... Oh. Il m'a fait peur parce que je pensais que... Dégueulasse, je pensais que le danger allait venir de là-bas, là. On a encore des mecs qui sont en train de ramper, là. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Frère, brûle tes immondices. Ouais. Ouais. Et là, je peux pas m'accrocher. Non, bah là, il a des trop petits bras. Ah si, il y arrive. Merde. J'ai pas envie de louper quelque chose, peut-être. Ah, je sais jamais quel passage est alternatif. Ah, mais celui-là, quand même, on dirait qu'on veut nous attirer là, non? Bon, moi, j'y vais. Je sais pas si c'est le passage principal. Ah, j'ai l'impression, quand même, non? Putain, mais fuck off, quoi! Oui, Zed! Il est passé où, le mec, avec son couteau, là, par contre, on en parle, ou... Je crois que le passage dans la grotte était alternatif, donc je vais y retourner. Il m'a fait un peu peur d'être avec son couteau et je sais plus où il est, donc bon. Je suppose que tout va bien. Si on sait plus où il est, est-ce que ça doit aller? On va monter là. Ouais, quand même, c'est... Faut le trouver, je suppose. Est-ce que ça me fait speedrunner? Ah ok, bien, vraiment naze, quoi. Chapitre 4. Écoutez les paroles du... Ouais, non, on va jouer avec la division. Je vais se faire pause. Allez, ils ont fait pause, là, je les crois. Refaites pause. Et il vous reste deux lignes en bas. Le Seigneur dit, ton sang est le tien et tes actions sont abandonnées. Ouais. Bien gentil tout ça. Moi je suis quand même revenu en arrière pour ça. Hein. Je suis allé me prendre un jumpscare là-bas, après je suis revenu ici. Et on repart dans l'autre sens encore. J'économise la night vision. Je sais que vous voyez rien du tout. Je peux rien y faire malheureusement, mais... Parfois je pense qu'il faut un petit peu... économiser. Est-ce que là je peux rentrer par ici par contre? C'est-à-dire, je pouvais pas, mais... Ah, là, je peux. Voilà. Enfin, une bonne nouvelle pour pouvoir d'achat des Français, j'ai envie de vous dire. Ça, j'ai entendu ça sortir de la bouche d'aucun candidat. Chapitre 9. Tiens. Et la main du Seigneur a étreint les racines de mes entrailles, placé un crochet dans ma mâchoire et élevé mes os de la Sion morte et de la merde de porc de publicain. Faites pause. Vous refaites pause. Et vous refaites pause. Reconstruire Temple Gate et leur visage et leur cœur était rempli de crainte, mais leurs mains seraient consentantes et leurs yeux verraient la gloire de son royaume à venir. Y'a pas que leurs mains qui sont consentantes, j'ai l'impression, dans ce que t'as fait, mon brave. Non, je me trompe? Oui, c'est bel et bien ça que je voulais, merci. Je sais plus où je suis là. Ah si, je suis là, ok. Pas triste ça. Ah! Mais pourquoi? Pourquoi cette espèce de gratuité? Bon, en même temps, les mecs sont fous. Bah, allez, mais il met 10 ans aussi, là, on va se refaire taper. Non? Ouais, non, les mecs sont fous, donc je vais pas essayer de me demander le pourquoi du comment. Ça commence à me stresser cette affaire là. Parce que là, c'est les petits joueurs sur qui on tombe. La porte. Fermé? Ah non. Merci pour la note. Je vais refermer parce que sinon je vais me faire taper dans le dos encore. Ça va être beau ça. Ah, la bande de nazes. J'aime pas trop tous ces verrous et tous ces passages annexes. J'espère qu'on va pas devoir revenir. Putain! Je peux pas sortir? Ah si. Il m'a fait peur hein, ce gros débile là. J'ai pas eu le temps de lire. Oh. Je veux lire. Je peux encore trouver le chemin qui mène à la mine. Ouais. Hop, on va lire les gémons. Tranquille devant le mec. Proclame la putain de l'herbe qui nous conduit à l'infestation. Je proclame le scorbut de l'herbe qui nous conduit à la damnation. Je proclame la perfide de l'herbe qui nous conduit à la contamination, à tromperie, qui nous saigne de l'attentissement. La chancre qui nous nourrit jusqu'à l'extinction. Je me suis un peu... j'ai un peu bugué parce que j'entends des bruits là. Sic semper, eh oui. Mais il a raison en plus. Hein. C'est bon, on se calme, on va bien me chercher ici. Oh. Oh Dieu. Ça, un
bon dieu de merde. Moi je vais. Tu sais, je rentre dans tout comme un pigeon, moi. Hein. Oh, va te faire voir, quoi. Ça, c'est tellement gratuit, sérieux, quoi. Un bandage, hein. Non, mais il arrive. Il va me buter, quoi. C'est incroyable. Casse-toi, tu sers à rien. Mais casse-toi! Le mec marche, il va aussi que moi qui cours, hein. Ah putain, j'ai encore le bug, je ne peux plus bouger. Enfin, où je bougeais tout seul. Mais bon, bah je suis mort. Bon, j'ai vu qu'il y avait qu'une pile là dans sa vieille pièce dégueulasse, alors il va bien se faire voir s'il croit que je vais revenir. Ah non. Plus qu'une pile, bordel. Je n'ai plus qu'une seule damnée. Mais il y a un mec là avec un couteau, mais qu'est-ce que j'y fasse, moi? Bon, bah le mec qui est sorti devant moi, parfait. Hop, grenade là. Il y a une pile ici, voilà, ça que je voulais, ça m'a coûté de me faire toucher par un de ces nazes là, mais bon. Je suppose que c'était le prix à payer. Tu sais pas pourquoi il y en a une... Calmez-vous. Il y en a, ils sont énervés, je vais me soigner. Encore. Calmez-vous tous. Je passe à gauche. Hop, j'arrive où? Parfait. Putain, j'entends. Oh, oh. Oui, oui, oui. Je suis pas dans la maison. Hein. Oh putain, si je vais y aller. Non. Pas. Des gens qui crient, des gens. Qui? Qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'ils chialent? Putain, j'ai rien compris. Je crois que j'ai failli me prendre un truc, non? Je retrouve pas le projectile, mais allez hop, y'a du sang, j'y vais du coup, comme d'hab. Comme dans le premier quoi, suivez le sang. Ça passe, on demande pas plus. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bruit là? Et voilà, c'était sûr. C'était sûr et certain. Ce jeu n'arrête jamais, il y a un mec juste devant. Hein. Putain. J'en ai marre, je tombe toujours plus bas quoi. Toutes les emmerdes. Ah mais là c'est les phases terminales là. Ah oui là c'est ceux qui partent en bouillie là. Oh putain j'hallucine. Nous avons trouvé le Christ galeux. Bah le Chris Galeux il est mort là. Oh mon dieu. Je sais même pas qui c'est du coup qui me cherche là. Je suis mort là non, il y a encore la musique. Oh. Ah il est juste là. Ah mais c'est lui, ok. J'adore lui. Je m'attendais tellement pas à voir un truc comme ça dans votre classe, bordel. Oula il s'est retourné, attention. Juste là. Si je me cache sous la tente, là, il me voit ou... Je pense pas, si. Je m'attendais à ce que tu passes devant, là. Où est-ce que t'es? Il est à gauche, mais... J'ai vraiment pas envie qu'il me tire les jambes. Allez. Allez mon petit. Non. J'ai pas du tout envie, tu vois, là, de courir. Je sais que tu vas me rattraper. Ah, hello. T'as une flèche dans la tête. Oh, putain. Il va me voir là, non? Complètement con, bien heureux, les débiles dans son genre. Est-ce qu'il y a des herbes en face? Oh, oh. Non, non, tu peux pas m'arrêter, je suis parti déjà. Putain, je suis où là? Ah, mais non, le bug! Non! Non, mais je suis mort! Réfléchir, réfléchir! Y'a pas. Je dois passer là. Maman! Ils m'ont vu là? C'est ridicule ce que j'ai fait! Je suis vraiment un enfoiré quoi, du coup. Mais non! Mais.
Oh, j'ai rien eu le temps de faire, quoi. Ah tiens, c'était dur, ça. C'est censé qu'il me voit, là, si je me mets comme ça. Il est pas censé, quand même. Pas censé se faire reculer, hein, on est d'accord. Il tire des flèches, hein. Donc, à mon avis, il va venir. Ah ouais. Peut-être trop tard pour bouger en même temps. Mais what, le mec me fait des tirs de professionnel. Bon, on va courir. Mais c'est un truc de fou, hein. N'importe quoi, là. Mais comment? Mais c'est n'importe quoi, la furtivité dans ce jeu. Je suis déjà parti. Too late. À droite. Pas à droite. Ah, mais voilà où il fallait que j'aille, putain. Allez, allez. What the... Ah, bonjour. J'ai des vieux freeze là, je suis désolé, ça doit être chiant en plus. Quand on regarde encore plus. Bon bah allez, on est reparti. Par ici, Blake. Jess, j'arrive. Reviens. Ça, j'aime bien ces phases parce que... Pour l'instant, en tout cas, on doit fuir, on doit rien fuir. Bon là, ça va être ouvert, je suppose. Bah oui, tiens. On doit rien fuir, donc c'est plutôt reposant de savoir que rien ne dépend de nous, vous voyez. Je peux me prendre des jumpscares et tout ça, mais bon, c'est... Toujours moins terrible que... Tu vas me fermer la porte. Tu vas me laisser rentrer. Ah, du coup, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a au fond, là-bas. Bien trop lâche que je suis encore, ces deux portraits, là. De l'école catholique. Oh! Allez. Alors, j'ai fait sortir Mademoiselle Gray de classe d'éducation physique aujourd'hui afin d'avoir une petite conversation avec elle. Père Luther Milch. C'est quoi ce nom improbable? S'inquiète du fait qu'elle soit un peu trop sensible pour son propre bien. Je n'en doute pas, pauvre fille. Je sais que vous avez rencontré son père et sa grande personnalité. Et ce qui est arrivé à sa mère est une véritable tragédie. Que Dieu ait son âme. Quoi qu'il en soit, le père Luther Milch pense que cela ne serait pas une bonne idée de laisser Jessica participer à l'excursion à l'usine de piano. Je suis plutôt d'accord avec lui. Elle présente les caractéristiques d'un enfant prêt à fuguer. En plus de cela, la signature de son père sur la feuille de permission est gênante. Tant qu'il est évident qu'elle l'a falsifiée. J'ai donc besoin de votre permission pour suspendre cette autorisation. Nous la placerons en étude à la bibliothèque pour ce jour-là. Shelley, conseiller d'orientation. Ok. Fazer Porcari. Elle a tellement de mails, putain, la conseillère d'orientation. Genre 519 mails, non? Allez, encore. Je suis encore traqué par son identité. Comment il tient la caméra? C'est intéressant à voir sur l'ombre. Eh mais il la tient à deux mains? Non, il la tient à une main. Ok. C'est des trucs qui m'intéressent, j'ai envie de vous le dire. Ah, ça tombe bien, j'avais envie d'aller dans une pièce comme ça, tiens. S'il n'y a pas de pile, ça ne me sert à rien, messieurs. Je vous prie de me donner que des portes avec des pièces comportant des piles. Ou disparaître à jamais. Que ferait Jésus? Une bonne question que tu poses là. Il y a leur portrait dans tous les bureaux, c'est un truc de malade. C'est un peu une tricheuse voleuse parce qu'elle est partie ici en me disant suis-moi. Donc moi je la suis ici plutôt qu'aller tout droit et en fait c'était tout droit qu'il fallait aller. Je trouve pas ça normal quoi. Ferme la porte, très bien. Tu peux y aller quand même ou... Oui, bon bah super, de fermer les portes. Hop, qu'est-ce qu'il y a ici? Fameuse épreuve d'ouvrir les toilettes à chaque fois sans savoir hein, ce qu'il va y avoir derrière la porte. Il n'y a pas de miroir tiens, ça vous arrange bien ça. Ça vous arrange très très bien. Y'a des jeux! Putain, merde! Ne pars pas! Ah, ça, j'ai record, hein, ma petite. Y'a des jeux, quand même, qui osent mettre des miroirs flous. Là, eux, ils vont plus loin, ils mettent pas de miroir. Je veux dire, c'est une étape supplémentaire vers la disgrâce absolue du jeu vidéo, j'ai envie de vous dire, ça a toujours été le problème dans ces jeux-là. Ces gros jeux. Ça qui me dérange. Que dalle encore, là. Toujours les mêmes bureaux quoi, avec les mêmes trucs au mur et tout, ça va. Hop. Moi je cherche les piles, c'est pour ça que je vous fous ces bureaux, sinon je peux vous dire que je m'en fous complètement. C'est pas exactement la copie conforme du bureau juste avant, sérieux? Là, il y a de la lumière. C'est un bureau important donc. Ou pas, je veux dire, c'était audacieux de le penser. Il y a une carte, est-ce qu'il y a des conneries sur la carte? On s'en fout. Concrètement, on s'en fout. Je sais pas, moi j'aime bien les petits trucs cachés dans les jeux comme ça. Mais avec vous, j'ai pas trop le temps de jouer comme je veux, malheureusement. Par contre, ça pourra compter des conneries en fouillant des bureaux. Il y a du monde. Ah. Attends, tous ces piles gratuites, j'en ai combien là?
Comment je fais pour sortir d'ici? 1, 2, 3, 4, 5. 5 piles donc pour le monsieur. Plus celle d'un. Un tiers de pile. Qu'est-ce qu'ils disent là? Sympa ça. Oh, c'est joli quoi. Elle s'est fait violer, non? On va encore revenir à ça, là, la pédophilie. Aïe, aïe, c'est pour ça qu'elle s'est pendue. Il y avait marqué quoi? ST... AN... Strangle? Moi, je dirais. C'est ça, non? Strangle. Cache-toi dans le sang. Juste à côté, quoi. J'ai l'impression qu'on me chuchote dans les oreilles. Il n'y a aucune isolation dans cette école. C'est navrant. Ah. Ok, ils ont peint un petit truc sympa, une petite composition sur le mur. Ouais, bah j'ai envie d'y aller là du coup. Ah, ok, on est ici. Je suis pas censé monter là, si. Putain, non. S'il vous plaît. Please, no. C'est fermé. La grande surprise des Français et Françaises. Ah, si, je suis censé monter. Il arrive, elle a dit. Ah, hello. On va encore croiser l'autre là. Putain, j'en ai marre. Ah, non mais ne sors pas du coup. Bon. Moi je suis impuissant, pareil, ça dépend pas de moi. Donnez-nous. Qu'on s'en occupe. Non, non, non. Wow. S'il vous plaît. Que Dieu et son prophète Nod soient loués. Dieu soit loué. Non, s'il te plaît, Dieu ne soit pas loué, je vous dis. Mais je dois en être sûr. Non. Ouvre sa bouche, Nick. Oh non! Oh! Oui. Ah bah. C'est bien. Dieu, je t'en prie. Fais que ce soit lui. On n'a pas la marque. Enjoy, hein. Sympa ton voyage ici. Même si tu t'en sors, bon bah. Fils de chienne fendue! Transsubstancié. Transsubstancié. Il n'a pas encore vécu sa renaissance. Ça me va très bien comme ça. Nous devons d'abord le mettre sur cette croix. Oh. Va chercher mon marteau et mes clous. Et alors sur cette colline. Il a tapoté la tête. Oh. Il viendra né sur les ailes des sauterelles, immaculé comme un nouveau-né. Il nous donnera son évangile. Sors ta caméra et filme. Paroles sacrées de son enseignement. Imagine la scène, le mec qui filme. Il sera cloué à la croix et mourra. Il sera enterré, mais il ressuscitera dans une chair plus parfaite. Et nous mangerons cette chair dans la sainte communion et serons guéris de nos péchés physiques. Ah, c'est un rêveur, quand on peut pas lui enlever ça, c'est qu'il a des beaux rêves. Cette terre brisée. Non mais s'il te plaît quoi. Tu vois, nous avons tout préparé. Tout est prêt pour toi. Quoi? Ne faites pas ça! Je vous en supplie! Oh non. Dieu, ça c'est horrible quand même. Tu es censé avoir un évangile à partager pour nous guider dans notre salut après la fin. Un évangile? La vérité, tes conseils, nous allons longtemps souffert en attendant. À mon avis, on va se la prendre, hein, la crucifixion. Eh bien, mon vieux Nick, je crois que nous ferions mieux de planter ces clous. Attendez! 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 Et puis après je vais m'amuser à tenir ma caméra, c'est ça? En plus il me plante des petits clous de merde là. Il faut des clous de chemin de fer là. Bien, bien. C'était pas si mal, non? Moi il a dit ouais le héros. Qu'est-ce que c'est? Nick, donne-moi ça. C'est une caméra? Un enregistrement? Il a encore dit ouais. Arrête de répondre. Bien entendu. Comment pouvais-je ne pas le voir? Un Christ moderne utiliserait une caméra, pas un livre. Voici notre évangile. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Je me le demande. Seigneur, pardonne-moi d'avoir menti de toi. Il n'y a aucune souffrance que je ne mérite pas. Ouais. Je suis un ver, une blessure béante, une... T'emporte pas, t'emporte pas. Il y aura la tête qui tourne après. Tu sais très bien comment ça devient après. Je dois
Je dois étudier ses enseignements. Plante l'autre clou et accroche-le. Ah, allez, c'est parti. Jésus-Christ, RP. Agréable. Petit truc étrange tout de même, je peux plus m'empêcher de noter, c'est quand il nous chope en dehors de la cinématique, il nous tue. Alors que là il nous attrape quoi. Mais bon, ça après c'est juste moi, hein, excusez-moi d'être RP un petit peu. J'amène, j'élève un peu le débat dans ce jeu vidéo. C'est vrai que bon, on en a marre, des chaînes sans culture. Mais non, mais t'es un malade. Ça va faire tellement mal. Et c'est pour ça qu'on met pas des petits clous. Ah, remarque, petits clous, j'ai dit. Je viens de voir la tronche du clou. Bon. On va être insoutenable. Hein. Mets des bandages dessus, ça ira mieux. Ils m'ont pris mes bandages. Mais ils peuvent pas tout prendre. Comment ils peuvent s'en sortir en étant aussi mauvais? Puis là, s'ils me voient, ils vont essayer de me buter, c'est ça? Cache-toi dans le sang! Elle s'en fout, donc, complètement. Là. Pas des bandages là-bas? Là, ici. Juste là. C'est des bandages? Voilà, je vole ça. Et je prends. Ah oui. Ah là tu dois douiller. Bordel que ça fait mal. Je peux pas croire que je disais ça en rigolant et que le mec se met sérieusement des bandages et après ça va aller mieux. Ah mais là tu peux pas. Tu tiendras plus jamais une caméra dans tes mains là. J'ai bien remarqué que je l'ai pas, merci de me le rappeler tous les jours que Dieu fait. Puisqu'il est sujet de ce jeu. Moi je suis déjà passé par là tout à l'heure. Et j'y retourne, je retente ma chance. Ah non. Ok, c'est différent. Vous n'avez pas votre caméscope. Ah. Eh oui. Préparez le tombeau, il a dit. S'il vous plaît, non. Oh mais ça va quoi, tu viens te faire crucifier. T'avoueras que c'est pas la même échelle de douleur, quoi. Je vais me faire choper, là. Tu m'as vu? Fuck! Je suis cuit! Arrête! Mais non! Je peux pas te laisser faire ça! Tu comprends mon point de vue? Il est juste derrière moi. Hein. Il comprend pas mon point de vue. Bon, j'ai pas pu m'arrêter à la petite maison et tout ça, tant pis. Oh mais là je cours à une vitesse, il peut pas rattraper ça. C'est... Il est là. Il faut que je monte. Je suis mort mais on y va quand même. Oh. Ah bon. Content de voir que ton intelligence artificielle s'arrête quand même juste là, faut pas déconner. Dis ça en rigolant, j'adore. Tu es censé mourir mon pauvre. Gagne. Hop là. J'aurais pu agoniser quelques temps, non, sur cette croix. J'imagine. J'ai peur. Je vais pas vous mentir, je... Je suis pas rassuré du tout, là. Cette ambiance sonore de merde. Horrible. Ah non. T'es trop lent, il faut que t'ailles plus vite. Merci, j'ai pas été ramené vers le bas. Par-dessus. Hop là. Ah non. Ah bah non. Putain. Vraiment? Si on arrive là. Non, je suis caché. Je vois rien. J'entends un petit peu. Je lis surtout les sous-titres.
m'a vu. Oh, wow, wow. Je crevais là, hein, si je peux pas respirer de toute manière. Respire bien, et on est reparti. Je comprends pas trop où je suis, mais j'y suis. Juste là. Faut que tu restes accroupi là. Hein. Je vois rien. Enlève, balaye. Passe ta main sur ton... ta tête. Merci. Oh. Saleté de vautour. Je sais pas pourquoi je m'attendais. Combien hein. de cadavres avez-vous ramassé? Quelques-uns. Oh. Oh, c'était bien fait ça. Ça, c'était cool. Je recule encore dans le temps. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. T'as considéré la possibilité que t'es un malade mental en fait? C'est bon. J'adore ça. Ces extérieurs neige là. J'aurais bien aimé qu'on s'y balade plus. Il y avait une note, tiens. Je sais pas comment j'ai fait pour pas l'avoir, mais j'ai réussi. DNTLTMG. Ouais, bon, là par contre, tu. Hein, tu deviens relou. Ça te fait un petit peu complexe les mots que tu sors. Il y avait rien à filmer là. J'arrive. Pauvre naze. Tu crois que tu peux me faire ça et t'en aller tranquillement? Alors. SFFTH Child. Children. Déjà. Par là, on y va. Faut pas tergiverser. Encore. Cet endroit de merde, là. Pas des piles. Comment ça le connaît? On le connaît déjà, celui-là. Ils ont pas fait respawn les piles, ça, tu crois? Non. Je vois pas de truc en surbrillance. Cache-toi dans le sang. C'est un téléphone? Ouais. C'est pas dans les chiottes, bizarrement. Un peu plus sombre, hein. S'il vous plaît, un peu plus sombre. Surtout pas de pile, oh non, je veux pas de pile. Hein. C'est pas ça? Oh! J'étais tranquille en train de faire ma vie. Putain, mais. Pourquoi tu cours? Ah, mais ça me saoule. Bon, je vais encore me plaindre des mêmes choses et me trouver les mêmes excuses, mais c'est vrai. Ce clavier! Je savais pas que tu venais de là. Ce changement de clavier de QWERTY averti ne m'aide pas du tout. Bah écoute, c'est bien, on sait d'où tu viens maintenant. Ces phases vont venir chiantes par contre s'il y a un ennemi là. C'est moins drôle. Ça donne moins envie. Faut courir là par contre, parce que l'autre il va pas hésiter à courir derrière nous. Non, je suis mort. Qu'est-ce que je fais là? Arrêtez de me faire avancer tout seul, bon dieu! Je sais pas ce qu'il voit. Mais... Ah, qu'on va crever, ça il le voit bien. C'est bon? On se calme? S'il vous plaît, non. Alors ça va. On a donné. Il y avait une lumière là-bas, non? Ah, c'est juste quand je bouge. Et là, je vais retourner voir la note. Je suppose qu'il va y avoir plus de notes. Plus de lettres, pardon. Pas du tout. Que dalle, ouais. Cache-toi dans le sang. Ah. Ah non, je reviens en arrière. Cache-toi dans le sang. Je peux me cacher dans les casiers aussi. Non, je peux plus. On pouvait avant. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis au début du jeu. Après, ils sont dit non. Quand ce putain de truc qui sonne là. Il va pas encore me sortir devant là. C'est bon? Ok. Il est sorti de là en plus, non? De là où il y avait le téléphone, l'enfoiré. Il nous attendait. Allô? Allô? Ah, Dieu merci, tu es vivant. Oui. Tu dois rester calme. Nous allons t'aider, nous allons te sortir de là. Tu dois trouver un endroit où te cacher. Tu parles comme un prêtre, toi, non? Un endroit sûr où tu pourras te rappeler le goût de son baiser quand tu as senti son cou se briser, espèce d'enculé de taré! Ah,
Quand est-ce que le jeu est devenu aussi japonais là? Là, je vais retourner dans le monde réel et vous savez ce qui va se passer. On va se faire traquer encore puisque ce jeu n'a pas de temps mort en fait. Il connaît pas trop les temps morts. Ah non, merde. Putain, j'aurais préféré cela dit que c'était collé à con. Ah, fuck. Ah, il a dit fuck. Bon bah allez. Putain. Ah mais s'il vous plaît quoi. Bon. Oui bah oui, il est derrière moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Il faut que je... Oui! Non, elle a fermé la porte! Pourquoi? Non! Ah bah c'est terminé là! Il est ridicule en plus quand il court, bordel! J'aurais préféré pas voir ça. Ouais, oui, mais bon, lol quoi! Joue à Super Meat Boy ou quoi là? C'est pas une retry! Moi qui... Calmez-vous. Pris de l'avance déjà sur ce gros Nasbrock là. Bon, j'ai vu le truc qui partait vers la gauche, du coup je suis allé à gauche. Ah, mais non! Mais sérieux là je... Il arrive. Mais il est partout. C'est un truc de fou. Tout évident c'est par là non? Je suis mort. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais... En plus c'est ridicule. C'est ridicule en plus. Autant d'habitude je trouve qu'on est vraiment... Oui. On est vraiment bien guidé dans où il faut aller. Alors là, j'ai aucune idée. Ah, ça non. Déjà ? Bon, voilà. Cache-toi dans le sang, ouais. Cache-toi dans le sang. Cache-toi dans le sang, ouais, ouais. Cache-toi dans le sang. Là, il arrive, de ce côté-là. Je sais bien qu'il arrive, grognasse. Tu sautes ? Je sais pas. Franchement, je... C'est moi qui vois pas un truc, je m'en doute bien, mais je sais pas quoi. Bah ouais, mais... Oh là là, ça me saoule, là. Pas de casier, pas de casier, pas de casier, pas de saut, pas rien du tout. Je crève comme une merde. Cache-toi dans le sang, oui. Il y a cette porte-là, tiens. Il arrive, mais je l'emmerde. Regarde-le, là. Regarde-le, oh oui, oh. Je sais pas. Elle est rentrée dans un casier, elle. Quel casier, celui-là? Non, mais sérieux? Bon bah voilà. Ah. Ah, je vais me faire... Sauvegarde, écoutez, on va s'arrêter dans ce placard qui est magnifique. Parce que là, au moment où on sort, je sens qu'on va... On va se faire défoncer. Donc je vous dis merci de regarder cet épisode et à plus pour le prochain. Salut! Ah. Bon, bah, vous avez eu le droit à une pièce supplémentaire, un contenu bonus dans cette vidéo. Le DLC pour ceux qui sont restés.